tunga kateo osio bandi susu polo polo kanga kamote mata mokolo moko olingi kaka sebo mengo ya Kongo oko kufa polo 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 tika 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 koka bula Kongo likambo oyo soni ya barwande oko sambo polo 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 besi confiance kaka na mindele baninga Afrika omona bango pamba oko simba touche que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. Peuple congolais, il est temps de nous lever, de nous serrer les coudes et d'agir pour défendre notre patrie, notre intégrité territoriale et l'intangibilité de nos frontières. La République démocratique du Congo est victime d'une nouvelle agression rwandaise et des actes criminels et terroristes du M23. Ils ont juré de compromettre l'élan de notre progrès, nous diviser et perpétuer le pillage de nos ressources naturelles. Le sang a trop coulé, deux vies sont fauchées, notre faune, patrimoine mondial, est détruite. La situation humanitaire est alarmante. Nous avons un devoir sacré de résistance patriotique et populaire. Pour cette cause nationale, mobilisons-nous. Au-delà de tout clivage, y compris politique, agissons contre l'ennemi de la paix, notre cible commune. Restons vigilants, vigilants. Disons non à la stigmatisation et à tout acte de violence. Exprimons toute notre solidarité aux compatriotes victimes de cette agression. Mobilisons-nous, apportant un soutien total et indéfectible à nos vaillants fardessés et à nos institutions pour rétablir la paix et la sécurité. Ensemble, défendons la patrie et gagnons cette guerre insensée du M23, appuyée par l'armée rwandaise. Batela Ekolo, Bendele Koyate. Bioebs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, mêlant l'utile à l'agréable, originaire d'Afrique. Le bio cacao possède des propriétés médicinales et aphrodisiaques naturelles et puissantes. Un autre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel, d'aucun colorant ou de conservateur. Avec de l'eau chaude, de l'eau tiède ou du lait, profitez d'un tendre goût des cacao. Avec BioEbs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'usage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté à un complément alimentaire, sain, propre, bio, sans produits chimiques, et ça aucun effet secondaire, et qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai. Bienfait est pour le cœur et la morale, lutte contre l'hypertension et le diabète. En tant que médecin, je vous conseille d'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gemsociety1@gmail.com. Nous sommes en Europe, aux États-Unis, au Canada. Nous sommes aussi en France et en hors des Congos. Après le lancement de la Cité Kimia, la société Kodiasimo présente le Square VIP Kimia. Parce que nous croyons que désormais tout Congolais doit posséder une parcelle en République démocratique du Congo, Kodiasimo facilite l'accès à l'achat de votre terrain en toute sérénité et surtout en toute sécurité.
Dans le square VIP Kimia, à partir de 5 000 $, financez votre terrain, puis sa clôture, et notre équipe s'occupe de sa mise en valeur ainsi que de toutes les démarches administratives jusqu'à l'obtention de votre titre de propriété. De plus, vous avez la possibilité de construire votre maison seule ou de nous confier votre projet immobilier. Désormais, que vous soyez du Congo ou de sa diaspora, avec Kodiasimo, vous êtes à la meilleure adresse pour construire la vôtre. MBL Assistance Immobilier à Kinshasa. Nous sommes avenue Kassavubu numéro 145 dans la commune de Ngiringiri, référence rond-point Molard en face de HJ Fondation. Je disais bonjour, bonsoir, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine HK Today, magazine d'information générale sur la RDC, la région de Grand Lac. Nous sommes de retour aujourd'hui, encore pour des échanges autour de la RDC, RDC Mbokayama Kasi, RDC Lokwama Kasi. Nous sommes là, Toza, Ponago Beta, Masolo, Lissous, Yamboka, Ndenge, Tomesana, Kousala, Yango. Merci beaucoup. Na binonyo so partout bozali na RDC Mobimba na moni pe bande comme so ba komelinga e balobi. Nous sommes tozola ndayo na Kinshasa na commune Alemba. Tozali banda balobi bazali banda bazolanda TV. Merci beaucoup. Et puis bandeko tout bazola na biso na zele ya Lubumbashi, tous les grands Katanga, Grand Kasai, Grand Kin, tokolo bango Grand Kin puisque Kinshasa maintenant ezala na bato bazala na téléphone bazolanda, ce qui est une très bonne chose. Mais eloko tokosala ya bien ezaka omoni na se, donc au cliquer osa déjà sur Facebook ozolanda. Na se ezala na place moko bakomi partager. Comment na se wana? Cliquez sur partager, à zopé son possibilité. Il y a qu'on partager dans ma groupe Facebook. Il y a qu'on partager dans ma WhatsApp. Mais quand on a, nassé à émission, nassé à n'a commis partager. Quelque part, au commun, a écrit, partager, ou soit en anglais, bah, commis share. Cliquez na partager. À zopé son, bah, WhatsApp, bah, Facebook, bah, ceci. Mais quand on a partager lien, total à ce que ça donne, tout ça, l'ango, à tout moment, te partager, te liker émission. Lelo sujet na biso très important. Tout un sujet très important. Dengue na lo baba sujet nyon soto izalara très important. Na lingito salara yango. En attendant, bozo partager. Comme ça na laksabino ba sujet tokolobela lelo. Sujet tokolobela lelo izali oyo. Je pense que beaucoup zo idée. Les choix éclairs entre la RDC. La RDC doit se débarrasser des États-Unis. Alors ça, c'est très important. Et ça, moi, et l'eau m'a rebouillé. L'eau est qu'on peut s'abîmer conviction que la RDC, il faut tout bosser dans les États-Unis, dans mouton abîmer. Ça peut parfois être grave et dangereux même pendant que on aurait eu ça dans les États-Unis. Donc, c'est en RDC, baboya, États-Unis. Il y a un moment à rappeler, mais bino bozo telemé la babanya Rwanda, que bazana RDC, il milite pour le Rwanda. Comment bino bozana États-Unis, bozo milite, bozo salba émission chaque jour, bozo critiquer même États-Unis en faveur de la RDC. Ka oyo tozana ngo est différent. Malgré tout ce que j'ai fait aux États-Unis ici. Malgré tout ce que je parle, Nakoloba et États-Unis, maintenant entre la RDC, Togo et États-Unis, puisque d'abord un, Nazoto Samibeko ya États-Unis, et Zanaba, ligne Nakoko a franchir te, et Zanaba étape Nakoko l'écarte. C'est-à-dire que tout ce que je dis ici, jamais Nakoti la attaque Bakoko Bazala qui na Ninoyo n'a réclamé que par celoyo. Ma belle oyo ou état oyo lelo ekomi ya biso na kotikala ka kota eza na bisika souveraineté ya États-Unis kotikala. Vous confondez les choses. Biso toza tozo sala misala awa ba congolais mingi bazotonga na mboka, il y a pas de problème. Mais quand il s'agit ya intégrité ya territoire ya mboka oyo, bako bomayo tu es une chair, oui, une souris. Bako beto massage le même jour, et puis c'est fini.
chose qui est au les pas n'abissot. Et pas n'abissot, rien n'est respecté. Mais ici, n'am toujours respecté, n'am, puisque liberté, bah, pèse abissot liberté ouana. Mais ailleurs, liberté ouana est ça, et pas n'abissot est ça, mais l'ongo liberté est comme libertinage. Bissot tout, tout ça, bah, immigré, tout y en a koto. Oh la mokana tongo, bolobino. Rivière où ils appellent ça, ils ont rivière bah américain, bah coq, bah américain, bah pèse en gros ni comboté et comme rivière honorée et côté là qu'on s'imbatte. To comment on boit? Oh non, bah dans la biso, bah côté armé, bah côté armé, oui, ma camarade t'as la sécurité bah américain. L'air bah côté armé. À celui qui n'a un jour à mon lit qui m'a simbaté, bazo traité yena tous les mots, peut-être racisme, mais en akati tout ça, à celui qui a bimi, à côté qu'à tout ce qu'il a comme m'a camouillé l'armée. Puisque, armée américaine, et Zaline, y'a qu'au pola, balak, ça rango pam pam batte. Et puis, ce qu'on bimi au bani au salasoukinde, au bimi au zui mindouki, au zui biloko toke inango, bah, qu'on l'anda yo place aux a, na famille na yo soki résistance ça na famille na yo moko on vous bazo si lisabino lokola pétrole biloko tozolo ba oyo ba moni ki ne sont pas menacés. La sécurité des américains n'est pas menacée, la sécurité ya mboka n'est pas menacée. Mais kako franchir étape ya non ndenge zawana bana na biso baza kuna ba se rebeller basa la groupe armé awa. Puisque, Oza, Outa, RDC, tu défends la RDC, tous les Congolais ressortissants, ya Congo, qui sont au sein de l'armée Babima. Bokoyoka Bangote, donc, tout ce qui va coexister ces deux jours. Ne confondez pas les choses. Ne confondez pas les choses. Otozoloba, ils ont droit, puisque, Awa, Tozan a droit pays, il y a qu'au défendre, bah, état moussous. Je peux le faire pour les Rwandais, je peux le faire pour la RDC, je peux le faire pour d'autres pays, et nous avons cette liberté-là. Mais chez nous, on peut le faire, on y entre. Si on défend, on est en RDC et qu'on veut penser aux intérêts du Rwanda, d'où on est venu, on y reste, namoutou, namakolo, natou, on oublie que ce que j'ai fait, ezo préjudicié, mboka mobimba. C'est là la différence. Na repère c'est une différence plus tard. Parce que j'ai vu des gens m'écrire ici, bozo télé mais là-bas, bah au Rwanda, bah bozo ça va bozo tonga kuna, mais na États-Unis bino ba mususu, bozo c'est la même chose pour vos pays. Tozo ça l'ango avec des limites. Tozo ça l'ango avec des limites. Bah tout bah yé, bah sali, bah prêter serment ici na États-Unis que je ne trahirai jamais les États-Unis. L'air bah constater que les cas où bozo ça, ils ont trahison aux États-Unis, on tabat. Soit on sali prison, soit on te retire la nationalité. Mais na RDC, quand on essaie de faire ça, c'est toute la planète qui est alertée. Bino koto boutique biso toza boye tala boye, alors que banana bino bazo ki mana mindo ki armé, il y a population na tenue, ils font tout. C'est différent. Alors chers amis tobanda émission na biso, n'oubliez pas que nous avons la campagne IA des pères et de mères avec ces pilipili made in DRC. Est-ce que tout le monde a déjà essayé ça, surtout les Américains? Avez-vous déjà essayé les pilipili made in DRC? Produit 100% congolais. Piment, tomate, théo, balé, sarabiso. Piment, vrai piment. Na la kisi bino ya nga bouté ya na zoko okosi li sangote. Mouke boye, il faut dozo a leçon. Essayez ça. C'est dans le cadre de soutenir la loi Tchani qui est en train d'être étouffée à Kinshasa. Je pense que loi Wana est collégate. Chers amis, bah, info, Nazanango, Isaya Mabe. Peut-être loi Wana est collégate, côté à la rana, pas c'est simple. Alors, donc, ça s'appelle Sad News. Dengue membre, Nangamoko, y'a équipe à tout qu'on souffle, n'aille. Sad News, Tome Kangonan. Merci puisque besoin meka biloko tout au propos arabino. Merci puisque besoin meka bio Ebs cacao. Merci besoin meka MB assistance maison. Tous les obtenez votre maison à crédit à Kinshasa avec Kodia Simon. Voilà. Le numéro de Kodia Simon est là. Achetez une maison aux États-Unis et immigrez du courant à au panneau solaire. Les contacts sont là.
Les contacts ici, on a changé. Les contacts, il y a panneau solaire, Reza. Panneau solaire, enregistrez ça. Bah, américain surtout, enregistrez ça dans vos téléphones et envoyez de textes sur WhatsApp seulement. Seulement WhatsApp. Puisque Bishop Congolais, nous confondons tout. Alors, chers amis, qu'est-ce qui se passe na Katia Mokanabiso? Na kozonge la biloko mi balé pour que na mekana ko pese la lumière. Je ne viens pas me justifier ici, mais je viens encore éclairer la lanterne ya bande ko mususu ba yo kakinga ilobite. Est-ce que soki to sala ka émission to doki ne mbango. Biente. Chers amis, na sala ka émission lobby et j'étais contre la signature par les vice-premiers ministres et ministres des Affaires étrangères, mon vieux Christophe Lutundula Apala, qui a signé un accord avec les Rwandais. Ensemble, ils ont signé un accord qui leur permet, il y a que RDC Andimi, qu'on a réfugié naïe, au bazar en Rwanda, Bakende, et les Rwandais Andimi, qu'on a réfugié naïe, au bazar na RDC, Bakende. L'air nalobeli, likambongo lobby, j'ai vu qu'il y a eu beaucoup de gens, même le cabinet du ministre m'a contacté. Yo, qu'est-ce que tu veux nous apprendre? Tu crois être intelligent plus que les autres? Non, chers amis. Je ne souhaite pas me justifier, mais je souhaite amener d'autres éléments d'éclaircissement pour montrer que un ministre n'est pas un dieu pour ne pas se tromper. Tout analyste n'est pas appelé à flatter. Tout analyste n'est pas appelé à flatter. Tout analyste n'est pas appelé à dénoncer. Comme moi, j'encourage ce qu'il faut encourager, je dénonce ce qu'il faut dénoncer. Mon vieux Christophe, c'est parmi les meilleurs journalistes, non, les meilleurs ministres dans ce gouvernement ici. Je l'ai toujours dit, je ne flatte pas, ce n'est pas aujourd'hui que je le dis. Je l'ai toujours considéré comme parmi les meilleurs. Asala Ramoussala Naye Nandenge, il y a bien. Mais pour cet accord, il s'est trompé. Pour cet accord, il s'est trompé. J'ai donné des explications hier. Mais ce qui bolingi, nazonge la nakoué koba kissa d'autres éléments. Et je me suis dit que, na rose à l'après, il y a une seule présentation, nanga, et pas il y a tous les membres du cabinet ou du gouvernement pour leur montrer que cette signature avec les Rwandais sur les retours des réfugiés est à piège Tokoyi, à piège à Rwanda. C'est ça, moi. Là où il y a Kokumisa, Nakumisaka. Et là où il y a Kotikala, Nakotikala, Nga Moko, je garde la même position. Je m'explique. J'ai dit tout à l'heure que, ministre, va s'abattre. Le Kola Yonanga. Cela ne veut pas dire quand on l'appelle Excellence, Azui, Abakissi Mayel Moussousou, Abakissi Sagesse Moussousou, T. Même le président de la République, Ezana Biloko Azo Salabia, Ezana Biloko Azo Salamabe. Nous l'avons toujours dit ici. J'ai expliqué hier en disant que t'aurais co-signé. Est-ce que nous avons, Bissomokoto, se poser la question, quelle est l'urgence et la nécessité, il y a qu'on signe à Corwana? Est-ce que vous vous êtes posé des questions? Est-ce que la RDC peut accepter de prendre les risques? Il y a qu'on va réfugier, naïe? Ah, il y a qu'on s'en va dans la zone où il y a la guerre jusqu'au moment, jusqu'à ce matin. Je ne pense pas que ça peut se faire. Même les HCR lui-même, est-ce qu'il peut, les HCR peut accepter? Que bateau bakima masisi, Rutshuru, Nyiragongo, bakeina Rwanda. Et dans ces trois territoires, pour l'instant, ils ont toujours Minduki et Zobeta chaque jour. Bakima insécurité, bakima Minduki, bakeyi, Minduki wana eza. Il faut boke nous abandonner ma classe, besoin que ça abandonne biseka Minduki wana. Est-ce que les HCR nous a dit la vérité? Et j'ai conclu en disant que Moto et Abanda Masolwana. Il y a besoin de réfugiés d'Abino, besoin de réfugiés d'Abino, et ça, Rwanda. Rwanda a bandé ma solouana, totikali, net tozo okayete. Abimisi ba réfugié Nanzela. Et puis, ba réfugié wana nyos boebi que, depuis 1994,
Soki Rwanda lelo armé na yeza makasi. Ce sont des jeunes akenda ko recruter seulement na bakan ya réfugiés. Les jeunes rwandais sont maintenant dans la technologie, sont maintenant dans l'ingénierie, sont maintenant bazoti na bango makasi te na armée. Bato Rwanda monela, ce sont ces réfugiés là. Baye ko tinda ba réfugiés na nzela que marché. Tomonia ba réfugiés na Rwanda bazo marché, nous voulons retourner. Pendant que ça chauffe des armes, net ba missiles les autres qui n'étaient les autres touchés par avion. Na zone na bango il faut bazong. Ça ne vous dit pas quelque chose. Or, vous savez que dans la politique du Rwanda, les réfugiés, la protection de ces personnes qui étaient considérées comme de minoritaires, soki ba utukuna eza même minoritaire Rwanda, et pour ne pas être maltraités sur terrain à retour na bango, il faut que l'armée rwandaise, derrière les groupes armés pro-rwandais, bazala wana ba protéger bango. C'est ça, il n'y a pas autre chose de spécial. Qu'est-ce qui pousse les Rwandais maintenant et tout de suite de réclamer que Bazonga Azali sous sa place était en Rwanda? Non, puisque les Rwandais reçoivent d'autres réfugiés. Ça ne peut pas, tout ça, ça ne peut pas vous poser, vous dire quelque chose que, apparemment, il y a quelque chose qui ne va pas. Quelle est la raison fondée pour les Rwandais d'exiger maintenant et tout de suite le retour de ces réfugiés? Azali sous sa place était en Rwanda? Si c'est ça la raison, ce n'est pas une raison, puisque Azolo Kapé va réfugier à Libanda Bazonga, va y aller s'installer en Rwanda. Tout ça, c'est autre chose. Mais voici encore un piège. Allez-y sur Internet, c'est ce que je dis. Le Rwanda a écrit au HCR, a lobby au HCR au niveau international, a commis tous les pays où les réfugiés rwandais, au Bakima, Bakima, depuis 1994, a commis tous les pays, a commis HCR à lobby. Nous exigeons que vous identifiez les réfugiés, tout, bazar, connu par vous, les HCR. Bozonga, les réfugiés, vous pouvez savoir un message au Bazonga en Rwanda, date limite, et ça, le 31 décembre 2017. Dépasser ce temps, donc, comme le 1er janvier 2018, les Rwandais, mon pays, considèrent qu'il n'a plus de réfugiés à travers le monde. J'ai la lettre ici. Je n'arrive pas à mettre ça sur écran. Je vais vous montrer. Les Rwandais ont écrit au HCR, chers amis du ministère des Affaires étrangères, les Rwandais écrit au HCR et à tous les autres pays, là où les Rwandais estimaient que Azana va réfugier naïe. À lobby bango, à PC bango, ultimatum à lobby. Tout celui qui se considère comme réfugié du Rwanda est attendu ici au plus tard le 31 décembre 2017, il y a 5 ans. Le HCR a commencé à sensibiliser Batounaye. Et de passer ce temps, les Rwandais obligent le HCR à changer les statuts de ces gens. On appelle ça statut de cessation. Na cadre ya que si les HCR constatent que et la raison oyokimela na mboka ezali susuté et que le pays a connu un changement profond et stable, on va changer votre statut. Vous avez droit de choisir, soit vous devenez citoyen du pays qui vous a accueilli, soit vous êtes réfugié, vous retournez dans votre pays, puisque la menace oyesala ke obima na mboka wana ezali susuté. La plupart bakima génocide depuis 1994. Et les HCR avec les Rwandais ont constaté que il y a plus de problème de Yakoki Melalisusu, qu'on a toujours appelé réfugié à l'étranger, en dehors du Rwanda, 30 ans plus tard. Les Rwandais écrit, allez-y sur Internet, cette lettre-là existe. Et dans ce cadre, les réfugiés sensibilisés ont fait le retour au Rwanda. Au 31 décembre 2017, il y a 5-6 ans, on a compté près de 100 000 réfugiés rwandais, des Hutus essentiellement, et des Tutsis qui avaient fui Bazonga au Rwanda. Je note ici que sur ces 100 000 au Bazongi, plus de 78% venaient de la RDC. Plus de 78%. Si on parle de 100 000, alors il y a plus de 78%, donc 78 000 venaient de la RDC.
Voilà, nous sommes en 2017, il y a 5 ans, et le Rwanda a fermé son cadenas ou sa porte que dans sa tête, il n'a plus de réfugiés dans le monde. Maintenant, quand on est allé signer cet accord ici, Oyibino Bozo Bengelanga, vous voulez m'apprendre, me dire que moi, je ne connais pas quelque chose. Vous, vous en connaissez, vous êtes des professeurs, tant mieux. Alors, est-ce que notre ministre sait, connaît cette réalité? N'a-t-il pas cette lettre dans ses documents? Le Rwanda a écrit à la RDC que désormais, je ne connais pas que le Rwanda a des réfugiés de l'autre côté. Oh, Bazala qui va réfugier? Bazongi Panabiso. Oh, Batikali, Bazaba génocidaire, ils ont fui. Bah, c'est rappelé dans Makambu, Bazala qui na Rwanda. C'est pourquoi ils ne veulent pas retourner. Le Rwanda n'a plus de réfugiés dans le monde. Mais cette signature ici exige que les Rwandais, vous allez recevoir des réfugiés. Les Congos, vous allez recevoir des réfugiés. Oui, nos réfugiés, toi, qui baza kuna baki maka tout moment. Mais oh, il y a Rwanda baza wapi. Et qui les a identifiés? Les Rwandais ont changé cette lettre en disant oui, nous avons reconnu qu'il y a d'autres qui sont restés et nous élargissons un peu, mais ici, on a bissot. Pour dire qu'on aurait peut-être à raconter là. Hein? Chers amis, Tommy Monate, que tout ça, bah, ça va. Tout ce que je sais, est ce que je ne sais rien. Biloko nazolo balelo, tout ça. Puisque dans un mois, on va faire une feuille de route. Dans un mois, peut-être, on va commencer, la RDC va commencer à recevoir de réfugiés rwandais. Tout ça, oh, je vais faire une émission sur ça. Vous tous qui m'avez appelé pour m'intimider, tous ensemble, nous allons voir qui sont ces réfugiés que la RDC va recevoir et qui sont ces réfugiés que la RDC va envoyer au Rwanda. Bayamba Bangope. Donnons le temps au temps. Alors, en dehors de ça, c'était moi, toilettage Moko. Bamoso super batomboki yo yo kanakate na olinga kamera te. Pourquoi Rolo Baki kamera vous a déçu? Veka ngana linga, veka makasi. Mais, boebi position nanga ki er moko, il faut, mais si ko bande kwana, loba bien, aye ko loba, non, tu sais quoi, toi tu n'as pas de leçons à nous apprendre ici, boebi ki veka za docteur. Ngana boi ki docteur ya veka te. Veka c'est quelqu'un de très intelligent, je connais le monsieur. Mais par rapport à la sortie ici, au Yazan à écran, je n'ai pas été convaincu. Il faut Nandima, puisque toi, tu y es avec Veka, tu... Non, chers amis, nous sommes en démocratie. C'est bien, toi, tu peux parler. Mais moi, j'ai dit, quand tu vas dire que au Bosani que Veka a docteur, na moi, n'est-ce pas insulté. Je peux arriver même, il y a na kata classe ou na zo sala. Parce que qui doctorant est commis, tu sais que la RDC, le pouvoir de Joseph Kabila, c'est un pouvoir. Kabila était entouré de docteurs. Qu'est-ce que les docteurs ont fait dans ces pays-là? Qu'est-ce que les docteurs ont fait en RDC? Vous savez que nous avons des docteurs là. Un docteur qui s'appelle Zolo Bambi, professeur ordinaire. À Zotambla en affaire de Boyer, les docteurs autour de Joseph Kabila, qui l'entouraient, détourne 15 milliards de dollars, un budget coûte y a Bamboka Moussous, chaque année. Qu'est-ce que les docteurs ont fait là-bas? Est-ce que tu peux te dire, tu marches fier de dire que je suis fier puisque mon pays a des docteurs? VK nous parle, ici je parlais du problème y a Simon Lobby. Qu'est-ce que les docteurs dans ce pays ont fait pendant que les Simon au Sénégal appelaient? Est-ce que les amis congolais, vous qui êtes au Sénégal, vous êtes en Égypte? Les ciments coûtaient $1. Un sac de ciment coûte $1. Quand tu es dans un avion aux autres qui sont au Sénégal, presque toutes les maisons sont en étage. Toutes les maisons. Je dis presque. Je ne souhaite pas être un menteur. Nathalie Bonalobi, Nazotala, puisque quand je parle d'un pays en Afrique, j'ai été. Je parle des choses où il y a bien à mon nom. Et je suis un journaliste qui a pu fouiller l'Afrique. Il y a une trentaine de pays déjà visités. Oko Kitaboye, Botuna, presque toute la ville, Bandako est en étage. Ciment, $1 par sac. Nabite Soko est commis 1,5 maintenant. Ok, il y a en Égypte. Talandenge Moko, on a besoin de tonga yang. Puisque pour
Mais quand vous allez chez les docteurs, les professeurs ordinaires en RDC, un sac de ciment coûte 50. Ce matin, bah, ils sont réhonorés à 50. Et Mathieu, comme 54, ils ont qu'un nakasai. N'attendez le nombre de professeurs, de docteurs au bazar nakasai. Au moins, il y a docteur Vital Kamerhe na Sud Kivu, na l'accent de là. Bon, à Kolongwa, ville, aucun n'est pas na yé, na fief, na yé. Na Walung. Na l'accent de là. Mais quand je dis, je ne suis pas convaincu. Vous savez qu'en Égypte, on exporte des tomates, on exporte des amarantes, on exporte tout. Kolia na Égypte, Égyptien, roi en vieille Europe. Mais moule, bête, à Konate, bazan, à désert. Vous le savez? Quand vous me parlez des docteurs, il y a un arabe congolais à Zandengeni, congolais à Zandengeni. Arrêtez cette histoire-là. Arrêtez, arrêtez. Quand nous dénonçons des choses, c'est avec raison. Tout le monde a un azan à monter, maman, bête. Et même beaucoup de temps sur mon visage, je n'ai pas la haine contre qui que ce soit. L'air baoussa l'a bien en coum, c'est bon. Il y a des chaînes, il y a des gens qui dénonce, mais vous sentez qu'à eux, ils ont dénoncé, accompagné de la haine, accompagné de tout, y était, et longue, y était. N'en a l'obi, bas à la wana. Bas à la, bas docteur, bas à la wana. Avez-vous déjà vu un docteur qui enseigne même sur le plan du système éducatif? Kende na liste, y a bas docteur, 2000 professeurs, dans le monde, top 2000 de professeurs, professeurs congolais à Zate. Mais quand tu me parles de eux, tu sais qu'il est professeur. La liste de 2000 professeurs à Zate. Bazate, je ne parle pas de VK, Bazate, na RDC, aucun professeur là-bas. Un professeur qui nous enseigne dans la salle, 3000 étudiants, il dit, je vais voir quel étudiant va passer dans mon cours ici. Un professeur, un docteur. Tu as déjà vu ça dans ce monde ici. Mais ce sont des professeurs, ce sont des docteurs. Ils n'aiment pas le pays. Parce que moi, je vois d'autres docteurs ici. Moi, dans une classe, il est mal à l'aise pour dire, est-ce que je ne donne pas bien cours? Est-ce que tu as un problème psychologique? Comment je peux t'aider pour que les kanakuru nanga? Il est fier de voir que sur 100 étudiants, non, tu es étudiant baléki, du coup, dans cours. Mais chez nous, des professeurs ordinaires qui nous disent, je vais voir parmi vous 3000 étudiants, qui va passer? La première session sur 3000 étudiants. 10 balekés la première session. 2990 balekés dans la deuxième session. Et c'est adopté comme tel par des professeurs. Et c'est les professeurs qui promet aux étudiants comme ça. Et les professeurs est supervisé par d'autres professeurs. Est-ce que tu peux me parler du système éducatif en RDC avec ce genre de docteurs que vous vantez ici? Ce qu'on attend, quelles sont les personnes basées à docteur T, ce qu'ils ont fait en RDC. Et si aujourd'hui, on se bat pour aller négocier la vente de maïs par des docteurs. Chers amis, tous à la fanatique étaient jusqu'à ce niveau-là. Que Dieu te pardonne, toi et tes docteurs, que Dieu vous pardonne. Parce que la RDC a souffert, les lotos où nous sommes, les pays à genoux à cause des docteurs là. J'ai vu des docteurs ici. Hein. Chers amis, Bolim Sangaï, ça vaut la peine. J'ai vu des docteurs ici. Papesi Joseph Kabila, Moto Yabukangalonzo, c'est un docteur aussi. Hein. Oh, bah, il a promis faire pour nourrir toute la RDC. C'est un docteur. Naibite Sokolia Lisango Penza, Oye Utina Bukangalonzo. Par un docteur. J'ai vu des docteurs. Celui-là qui gérait le ministère de l'Agriculture, c'est un docteur. Bah, Sombisi, Joseph Kabila, des tracteurs, ceux qui ont 5000 tracteurs. Ils ont partagé, les professeurs se sont partagés ces tracteurs-là. Si tu es du PPRD, tu en as deux, tu as droit à deux ou trois, ainsi de suite. Je me retrouve. Des docteurs-là ont acheté des tracteurs pour l'agriculture. Tracteurs, on a IA et Zanga Babèche. Opérer, sauf que ma pression, prix normal, il y a tracteur, n'a pris oh, des docteurs ont acheté, et les tracteurs sont arrivés à Kinshasa. On retire à la RDC a des professeurs. Mais le jour où il y a distribution,
ce sont des professeurs qui se sont partagés des tracteurs. Na komi na kindu, un jour à 12h, na mon tracteur ezo ya bana bafandi likolo ya tracteur boy. Qu'est-ce qui se passe? Non, hier à Zaka cadre ya PPRD, na ba tracteur ba salaki, on a partagé par province, lui en a eu 5. On attend de bêche, mais en attendant, tracteur et autres bana 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 cousin ayesu bana na tongo baketi kabana na classe na tracteur na pourquoi na 12h ba yeko bana na uniforme le colo tracteur. Mon frère yom tozo kumi ça va docteur dans ce pays. Na koya ko inayo pour rien. Na koya ko inayo pour rien. Donc aux aux fidèles à l'émission, aux à la fidèle à l'émission. Mais quand vous me parlez, vous bah que on aurait à Isana biloko musu soit aussi porté. Je suis poussé toujours à répondre. Sauf que na betelio li solo ya ba professeur na RDC, ba docteur. Na sala ngwa ta sujet musu na la xabino que celui qui a fait ça c'est un docteur. Celui qui a fait ça c'est un docteur. Celui qui a fait ça c'est un docteur. Total la pensée que les docteurs font dans d'autres pays. Je pense que vous allez avoir honte d'appeler votre chef qui me suit ou qui va me suivre, que non, docteur, professeur, avec tous les respects. Ce sont des personnes qui ne méritent pas du respect. Alors, Tochanase, oui, Aébique, Alia Ranaïe, Soké Paveka, Léa Naona Malembe, oui, Aébique, Asa Monanga, peut-être na porte Nazo, donc, Sani Soké Zaki na Mesa, Zoa Sani Wana Pasola. C'est n'importe quel ministre, puisque je parle ici, hier j'ai dénoncé tous les gouvernements. Sauf pour dire que non, ministre, moko na le karawana, atana boutou na kelia, et qu'aujourd'hui, na moi, il a dénoncé bino, zoasani wana pasola, place wana tcham boutou moussousou, la vie continue. Nous défendons la RDC, na mon témoignon soit refongoma, sans intérêt de nuire qui que ce soit, et je vois que les docteurs s'embrouillent, et les mandats du président. C'est le président qu'on insulte chaque jour. Et moi, je ne peux pas tolérer à ce que quelqu'un, pour, sur base de ses erreurs, l'élo est comme mon motif, il a insulté le président de la République. Il mérite du respect et je ne peux pas contribuer à ça. Je ne peux pas contribuer à ça. Alors, je crois que je m'arrête là. Je ne souhaite pas vous donner... Je ne suis pas dans une salle pour donner cours et montrer, prouver noir sur blanc que ce sont des docteurs qui nous ont rendu un très mauvais service. Mais Naliana et Debino, que Botika, ce que vous voyez qui n'a l'objet émission, qu'on l'a dit l'angaïté, qu'on s'en a dit aux gens intimidés, qu'on s'en a dit aux gens, puisque je peux aller au-delà et tu auras vraiment honte de dire que pourquoi n'a l'obéli honoré Ndengouana? Yako. Pocelate, yako bambate, yako luka, mais avec des preuves pour te montrer que tu es, Liam Bongwana justifie cet argent calmement, mais tu peux pas te coller à mes émissions. On le dit pour prendre une, on le dit que mon tour est docteur, on le dit que le gouvernement, wana, bateau, baza, qu'on a baza, maïel, yoza, maïel, t'es. Que mon Dieu te pardonne. On évolue puisque vous êtes fidèle à l'émission. Donc, tiens-moi like. Tiens-moi like. Mets-moi un like là, quelque part. Donc, Naibi koko silikate, na fingi moutoute, mais oko silikate, oko tcham un like. Est-ce que vous pouvez me faire un like? Chers amis, pouvez-vous me faire un like? Qu'est-ce que mes fidèles disent? Vous allez encore m'attaquer? Vous allez encore m'attaquer ici? Non? Non, ne m'attaquez pas, Alors, merci beaucoup. Demaldi alobi aska panza solola na solola na nenga bien elongi ya kofongwama ya kandate ya zuate ya likunyate oya ebike ezali banga na bwaki na mulili oya monike soko yoki yeba ke quelque part ya yoka mutu sosa alobi abimia alobi M23 viva mo je te demande de suivre les émissions. Où est-ce que le Rwanda? Ils ont belé écoute. Ah, ou quoi, yate. Ou quoi, bima, ou nakanda, ou yo, kou, 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 au nom de Jésus. Il s'appelle Mohoho MTBS. Viva M23, viva M23. Ici, ce n'est pas une émission, il y a M23. Ici, c'est une émission des Congolais qui pensent na RDC. Na makila, na mai, pe na mulimu. Yo, na moni place na wezate, je te bloque. Et cela, in the name of Jesus. Je l'ai bloqué. Alors, merci beaucoup. On évolue.
Je me repère dans ce là. Non, tout est là, VK Nassé. VK, tout est Nassé. Tout est l'ongolio. Et ça, c'est un peu plus tard. Alors, chers amis, parlons essentiel dans cette émission. Il y a le sujet Nabisso. Sujet Nabisso dans le lobby. Il y a une bonne raison pour la RDC de se retirer. Il y a un peu ça, États-Unis, au Congo. Nous avons raison de le dire. Alors, pourquoi je l'ai dit? Chers amis, selon la situation d'Engizokendeboye, nous sommes en train y accueillir qui sont pour nous, qui sont contre nous. Banane baza nabiso, banane baza nabisote. Et toujours tala. Et puis, puisque là, je donne raison, na bandeko baloba que na tango ya pas sende koyeba ton ami. Le lot aux anatangs y a pas si et si quand on linga qui toyeba ba ami na biso baza banani ba ennemi na biso baza banani mais avant le lot avant na kende na laksabino peut-être makamususu aïe 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 y a des choses y a ma bé ba info mususu y a ma bé zokoya. Alors chers amis, regardez le lot aux ans les 17 mai. Ce que vous avez bien, c'est un jour où Laurent Désiré Kabila a commandé la capitale de la République démocratique du Congo. Le 17 mai, jour de la libération, mais en même temps, pour moi, jour de début de calvaire en Abissou. Début, il y a génocide, il y a RDC. Début, il y a Mawa, il y a RDC. Début, il y a viol, na Katamboko. Début, il y a pillage. Début, il y a tout. Est-ce que tout ça peut l'année 17 mai? Tout le l'année pour la 17 mai. Na évite, qu'est-ce que vous commentez? Est-ce que na yoki ne rombo à toninga et lokwango? Yango na lobela onan. Est-ce que tout le bela, tout ce pela, na 17 mai, que basonga biso mobuto akenda, ou soit tout le la, na date ya le 17 mai? Qu'est-ce que vous pensez? Commentez-moi dans cette émission sur base de cette question. Le 17 mai, est un jour oyo, ah, bazaki na mbinza, na avenue oyo, avenue Kananga, ou le Bombashi, bato ba ibi mbinza, ba ibi, wana bazoke nuko lukaka ba mouvancier, tout na. Na binza puisque Blas Bazalaki binza ma campagne binza UPEN binza pigeon ne Bazalaki kuna badoke ndeko lukaka soki baza batiki mbongo wapi soki bazali ainsi de suite. Mais c'est ce jour ici, moi je garde un mauvais souvenir puisque la RDC tobima à partir de ce jour ici koya bandeko baya et si là Toganisa ke bayaki namze basunga iya zo pouvoir bazonga baboya tilelo bazolo kaka raison toko ke ndipona nini puisque biso awa boy toko ke ndipona nini et c'est le jour où yo malheur ya RDC ban. Moi je considère que jour ya boye to changer en kombo te ke za jour ya libération et za jour ya calvaire na biso bon mze osala ki c'est que okokai ko sala. Mais, alors, donc, c'était un rappel. Je pense que vous allez me donner un commentaire. 17 mai, jour de libération ou jour de malédiction pour la RDC. Je souhaiterais que mon toit puisse envoyer une réponse avec un petit commentaire. Et oui, vous allez partager aussi ça. Alors, chers amis, nous avons constaté que plus Tozo avancé sur les dossiers, il y a est du pays, plus Tozo y a qui sont pour nous, qui sont contre nous. Les logés suis un peu tenté, nasena lobela yango na émission, de vous dire que est-ce que Tokoki Kotikala, Tokoki Kotia États-Unis mon Congo, Tokoki États-Unis pendant mon Congo Tolobi, zala nanona mupanzi, totala pe bato mususu. États-Unis, oui, États-Unis
a beaucoup aidé la RDC, surtout le président de la République, Namasolo et les Kakiwana, Nabetelabino Lissolo. Mais on aide, puisque ce sont les États-Unis qui avaient à l'époque soutenu Mobutu, et ce sont les Américains qui ont signé sa mort. C'est comme ça. Ils utilisent toujours, soit ils vous utilisent, et après, ils vous combattent. Je peux donner 10 exemples. Nous avons constaté que les États-Unis n'est pas clair avec ce qu'ils sont en train de nous dire. Les vice-présidents, les vice-premiers ministres et ministres de la Défense, Jean-Pierre Bemba Gombo, a reçu plusieurs personnalités, plusieurs États ces deux dernières semaines. Obaye Kota Lisabango, ce qu'il pense par rapport à la situation dans l'est du pays. Bato Yambaki, Moto Aliboso, Nako Laksabino, Ayambaki, Chinois d'abord. Ayambi, ambassadeur chinois, Ayambi, des personnalités chinoises. Namasolo Nabango Tibabimi, Balobi, nous sommes convaincus que la RDC a un problème. Maintenant, embargo est longué. La Chine est prête à tout faire pour que la RDC assile sa groupe armé. Bakéité par deux chemins que non. Écoutez, M23, Tolingi, Bazongela. La Chine était claire. Et du coup, la Chine donne 27 millions de dollars à renforcer les forces armées de la République démocratique du Congo. Il n'y a pas deux semaines. Bah, évoquer Terrenon, Tolingi, cantonnement, Tolingi, Luanda, bah, respecter tout ça, puisque, bah, que ces gens qui signent des accords, il y a un qui n'a jamais respecté engagement, Nyonso Yazoua, Katikala, Koto Sayangote. Vous allez voir, même dans Naleki Sakia, interview, il y a Bandekouana, il y a Chine. Le vice-premier ministre a reçu ici, dernièrement, Bandekou, il y a Russie. Je vous donne un extrait. Boyo Kasek, la Russie dit. Suivez ça. Dans cet extrait, je reviens à vous. Wana Tozana. La situation de la défense. Je viens d'être reçu par son Excellence VPM, ministre de la Défense nationale. Et tout d'abord, on a parlé de la situation à l'est de la RDC, puisque la Russie, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, est très préoccupée de la situation qui reste très tendue et surtout de l'activisme des groupes d'armées à l'est de la RDC. Et donc la Russie est prête à donner tout son aide, son concours à la RDC dans la lutte contre les groupes armés. Bien sûr que nous sommes vraiment très intéressés de la cession d'activité de tous les groupes armés à l'est de la RDC et pour que la paix puisse être rétablie là-bas et surtout pour que la souveraineté de la RDC puisse être primordiale dans ces parties du pays. Oui, il y a un an, la Russie a octroyé une aide très importante à la RDC. Il s'agit d'un lot très important de l'arme et de la munition qui est utilisée actuellement par les FARDC à l'est et surtout dans le combat contre les groupes armés. Bien sûr que nous sommes très intéressés et on parle aussi de l'intérêt de la partie congolaise de la promotion de notre coopération militaire. Si vous suivez les propos de l'ambassadeur russe en RDC, Oyaye Komona Jean-Pierre Bemba,
il note des éléments très importants. Allô, Biboy. La Russie, je rappelle que nous sommes membres permanents du Conseil de sécurité. Ça, c'est la première des choses. Quand il dit ça, c'est pour rappeler au monde qu'il y en a cinq. Les États-Unis, la France, la Chine, la Russie et je pense l'Angleterre, si je ne me trompe pas. Il dit que nous sommes très préoccupés. D'abord, nous, c'est la Chine, non, la Russie. De manière concrète, et il précise à l'OBI, nous avons envoyé un appui important. Autre chose, Massassi Oyoyeza sur place, au RDC Azo Salela, pour combattre les groupes armés, c'est la Russie qui a donné. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire pourquoi tu l'acceptes le roi Boyer? Est-ce que vous avez la tête que vous fondez RDC? Non, je m'en fous. La RDC s'en fout. Puisque quand vous voyez que, tout sur le terrain, vous dites que nous sommes. Non, n'allez pas vers la Russie. Mais donnez-nous des moyens pour combattre les groupes armés qui tuent, qui violent la population congolaise sur le terrain. Bouche bée. Bozo, bougez-t'en. Mais nous sommes des partenaires. N'allez pas en Chine, n'allez pas vers la Russie, mais nous sommes des partenaires. Vous ne voyez pas que c'est une trahison. L'ambassadeur chinois, russe à l'OBI, même les armes et les munitions actuellement utilisées pour combattre les groupes terroristes, les groupes armés, c'est l'aide de la Russie. Et nous sommes prêts à aller loin et nous sommes prêts à tout fournir. Il y a des accords, il y a beaucoup d'autres choses prévues. Lobby. Le même vice-premier ministre a reçu les États-Unis. Ambassadeur, il y a États-Unis. Je pense que vous avez bien compris les propos de la Chine, les propos de la Russie et les propos des États-Unis. N'oubliez pas que les États-Unis, c'était Marie, Nasser Abetelabino Lissolo, États-Unis, Azan et Timobali, Azan Abassimibali, Grande-Bretagne, Moïse Aliboso, France, Moïse Amibali. Ce que les États-Unis disent, ici même un ambassadeur américain dit, il ne sera pas contredit par un ambassadeur français ou un ambassadeur britannique. Oubliez ça. Ce que les États-Unis disent, c'est comme l'a dit notre confrère des États-Unis, nous sommes là pour. Donc, je vous mets maintenant l'extrait, il y a visite, il y a États-Unis, très attentif à discours na Yesko. Je vous propose maintenant d'écouter les États-Unis. Ils étaient chez le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba Gombo. Je viens de m'entretenir avec Son Excellence, le ministre de Défense. On a parlé par rapport à la situation sécuritaire dans le pays. Et moi, j'ai renforcé le message des États-Unis que c'est important de respecter les accords de Nairobi et de Luanda. Et nous tenons là-dessus. Donc, on va continuer notre diplomatie bilatérale, multilatérale, pour que ces accords puissent être respectés. Et nous demandons à tous les parties prenantes de respecter le feuille de route pour les forces rwandaises de quitter le pays et aussi pour les M23 de faire le recul vers le point indiqué dans l'accord de Luanda. Nous respectons les activités du gouvernement pour renforcer le dispositif sécuritaire, mais nous demandons aussi à tous les parties prenantes d'assurer qu'il y a une bonne coordination et que surtout que les droits des citoyens et des personnes déplacées sont respectés, parce que vous avez maintenant dans l'Est une situation humanitaire catastrophique. Nous sommes le tout premier pays pour répondre aux besoins, mais il faut qu'il y ait de la paix pour que ces citoyens puissent retourner chez eux. Merci. Est-ce que vous avez suivi ce que cette dame a dit? Est-ce que vous avez suivi?
Et quand vous comparez tous les trois propos, Chine Abimi a sali déclaration, nous sommes prêts à tout donner. Et d'ailleurs, nous donnons maintenant 27 millions de dollars pour appuyer les FARDC, base à la Makassi sur terrain. La Russie a coté à l'objet, d'ailleurs, les munitions qui sont sur place. Namindo Kimoussous, nous avons fait une donation, un appui important pour combattre les groupes armés. États-Unis Abimi, nous demandons à toutes les parties de respecter la feuille de route. Nous demandons qu'ils reviennent à la table des négociations. Nous demandons aucun appui. Est-ce que vous et moi, Nalingite Kozala Tchakou, est-ce que nous pouvons continuer à faire confiance aux États-Unis? Et dans ses propos, la dame dit ceci. Je ne sais pas, toi qui n'as l'écrit, c'est place ou non. Nous demandons au Rwanda de quitter, aux militaires rwandais de quitter les sols congolais. Mais nous demandons au M23 de se retirer Tina Bisika, selon la feuille de route de Luanda. Et ça sort comme ça. Babimi pe bakei, nous étions là, nous allons continuer la diplomatie et la collaboration bilatérale et multilatérale. Est-ce que nous pouvons continuer à faire confiance aux États-Unis? Je dis non, comprenant la situation. Pourquoi je dis non? Au Rwanda, les États-Unis, yebi que c'est le Rwanda qui nous fait la guerre. Je pense que tout le monde est d'accord avec moi. Les Américains savent que les Rwandais sont sur le sol congolais. L'armée rwandaise est sur le sol congolais. L'armée rwandaise nous fait la guerre. Les M23 n'est qu'un instrument, puisque tous les hommes d'abord qui combattent dans les rangs du M23, tu es armée rwandaise. Bato baza na Mindouk bazo salé là. Et ça, Mindouk y a armée rwandaise. Bah, matériel, l'union sophistiqué, tout. Et ça, il y a armée rwandaise. Est-ce que les États-Unis sont prêts aujourd'hui à nous accompagner avec ça? Non. Pourquoi je l'ai dit encore? Je vous montre, je vous amène sur les sites du département d'État américain. Bah, ça, les mises à jour, il y a partenariat à Bango avec les Rwandais. Je vous amène. Vous pouvez aussi y aller, département d'État, qui gère tous les financements, surtout accordés à forces militaires à travers le monde, ainsi de suite. Ici, il s'agit du cas du Rwanda. Bon, on a tout partagé l'émission, tout comprendre depuis Marambou Bélé. La géopolitique, les AP très intéressantes. Je vous amène ici sur les sites officiels du département d'État. Je vous mets à jour. Voilà. Je vous mets à jour cette histoire. Voilà. Alors, Nafongola, écran, on a comme ça, bon, on a document, on a bien. Nafongola, Totan a mouqué quelques phrases. Totala, c'est que les États-Unis rappellent avoir fait au Rwanda. Voilà. Vous avez ici, je pense que les hommes, on a bien sur votre écran. Voilà. Les États-Unis et les Rwanda, des partenaires stratégiques. Des partenaires stratégiques. Ici, vous pouvez aussi checker ça, vous allez voir. Alors, voici ces partenariats stratégiques à tous les niveaux. Donc, les Rwanda, j'ai découvert dans cette histoire que les Rwanda, non, ça c'était mise à jour il y a peut-être 8 mois, puisque c'était le 10 août 2022. Je vais vous donner une autre version mise à jour aujourd'hui. J'ai compris que les Rwandais fonctionnent avec, sur presque toute la ligne, les grands bailleurs donneurs de financement au Rwanda, ce sont les États-Unis. Sur mon langage, bango sa clarté. Regardez ce qu'ils disent. Le secrétaire d'État, bon, ici, le secrétaire d'État Anthony Blinken se rendra au Rwanda le 11 août où il rencontrera les hauts responsables des membres. Là, c'est mission à Outa Kosala na Rwanda, na PNA RDC. Et des membres de la société civile, les États-Unis et les Rwanda coopèrent, coopèrent un moment.
opère sur des priorités mondiales et régionales, notamment la fin de la phase aiguë de la pandémie, tout ça, et Tokita. D'abord, maintenant, sur la liste, il y a financement Bazo Pesa, Nanine. Relations entre les États-Unis et les Rwandais. Ah ouais, vous pouvez lire, les États-Unis ont établi de relations diplomatiques avec les Rwandais en 1962, après son indépendance d'une tutelle administrée par la Belgique de 1990 à 1994. Ici, ils sont en train d'expliquer. Les États-Unis cherchent à aider les Rwandais à répondre aux besoins de sa population, notamment à renforcer la cohésion sociale dans un pays pacifique, démocratique et inclusif, qui assure une bonne gouvernance et un environnement propice à une croissance impulsée par les secteurs privés. Les États-Unis aident les Rwandais à améliorer la qualité durable des sols. Ici, c'est ce qu'il est en train d'énumérer. Sur les plans, il y a relation entre les États-Unis et les Rwandais. Naboïté, est-ce que nous aussi, nous avons un document pareil que nous pouvons présenter au monde que les États-Unis nous soutiennent pour que les loteurs aient une injonction. Je vais vous amener sur encore un élément qui a provoqué ma colère pour vous présenter cette histoire. Alors, ici, ils sont en train d'expliquer aide humanitaire des États-Unis. Les États-Unis ont fourni plus de 147 millions de dollars d'aide bilatérale, tout ça. Deuxième aide, assistance sanitaire et réponse à la pandémie. Toleki. Troisième, relation économique entre les États-Unis et les Rwandais. Toleki, là, il y a de 49 millions, il y a de 74 millions, il y a de tout ça, vous pouvez voir les chiffres, vous pouvez lire ça. Troisième, aide financière, climat et énergie. Ils ont évoqué ici, vous verrez, il y a des montants, il y a des accords, il y a tout. Alors, quatrième, coopération des États-Unis avec les Rwandais en matière de sécurité. Au cours de l'exercice fiscal 2021, l'aide bilatérale des États-Unis pour la paix et la sécurité au Rwanda s'est élevée à 500 000 dollars, ou en 2021 seulement. Les soutiens des États-Unis aux forces rwandaises RDF comprend la sécurité des frontières. États-Unis, nani, mbongo États-Unis a zopé la Rwanda pour qu'on sécurise les frontières. États-Unis, Rwanda a la frontière combien? Si ce n'est pas la Tanzanie, le Burundi, l'Ouganda et la RDC. Or, avec les autres pays, il n'y a pas eu de problème, il n'y a jamais eu de problème de frontière. Ici, Mbongo, aux États-Unis, à Pessi, c'est pour que les Rwandais renforcent de quelle manière nous mettre mal à l'aise, puisque la frontière qui peut créer l'insécurité pour les Rwandais, c'est du côté d'abord, c'est la RDC. Bon, peut-être si vous voulez qu'on vous dise que créer la sécurité entre la frontière Rwanda-RDC, vous attendrez longtemps. Ce mot-là ne sortira pas. Mais nous qui sommes avertis, qui sommes en mesure, il y a comment on a marqué de loin, nous en parlons. La sécurité aérienne, des avions, des drones, à part Mbongwana, des avions, des drones, de tout, pour la sécurité, il y a Rwanda. La formation des casques bleus, des initiatives plus larges de professionnalisation. Ce qui est dans le bino, c'est le bino photo. Ndenge États-Unis basali quartier général Mobimba na Rwanda. Ba mususu kutu bazo lata tenu na bango mi bazui gilet ya armée rwandaise ba lati. Ils sont là. Mais quand le Rwanda fait des déclarations, la RDC fait appel à des mercenaires. Chers amis, cause à la mercenaire pour la RDC, c'est un péché. Mais au Rwanda, toutes les armées britanniques bazawana, américaines bazawana, françaises bazawana. Mais non, bango bazaba mercenaires. Bango, non, ce sont des partenaires. Ici en RDC, si la RDC fait appel à des formateurs peut-être de l'extérieur, États-Unis pour vendre kuna RDC kezo ba mercenaires. Et vous verrez même dans d'autres discours, ça revient, que les FARDC arrêtent de coopérer, collaborer avec des mercenaires. J'ai dit, est-ce que ce monde, est-ce que ce pays, la RDC, est aimé? Wana coopération sur les plans sécuritaires, coopération sur les plans gouvernance et droits de l'homme, il y a toujours des montants que vous pouvez déchiffrer là-bas. Assistance humanitaire aux réfugiés, il y a toujours des montants. Lien entre les peuples, il y a toujours des montants. Et voilà.
ces partenariats et ce qui est en 2021 et ce qui est en 2022 et ce qui est en 2029, si je ne me trompe pas. Et l'État où il a Télémi a signé Nino État à Alaska derrière les États-Unis, Balobi, État où il a géré projet Oyo, et ça, Alaska, na Rwanda. Chers amis, un grand projet. On dit qu'en Afrique, les États-Unis n'ont jamais soutenu un État comme on soutient le Rwanda. À part ça, Nengbazo soutenir le Boyer, il n'y a pas de problème. Quand ils viennent chez nous, la collaboration va continuer. Nous allons intensifier la diplomatie et nous allons voir, nous demandons à toutes les parties prenantes de. Et français, il y a bien Bimi. Français, il y a. Voilà, chers amis, il fallait en accepter nos documents, Moussous. Est-ce que les, vous êtes en train de voir, vous êtes aussi en train de lire, hein, parce que Ming Balowaka, la plupart, bah, Mi Bandeko, y a Rwanda. Balowaka, non, honoré, parfois tu racontes des conneries, voilà. C'était ça, les documents sur votre écran. Vous pouvez retrouver l'entièreté de ces documents, sur les sites officiels du département d'État américain. Je vous pose la question. États-Unis a dit que tout ce qu'on leur amène, Tina Conseil de sécurité, et l'armée rwandaise est en RDC. Est-ce qu'avec ces chantiers au Yamounen qui soutient et l'économie, et les sociales, et la sécurité, et tous les secteurs, les États-Unis sont prêts à nous soutenir pour aller combattre l'armée rwandaise dans l'est du pays? Est-ce que vous pensez que ça peut arriver? Attendant d'autres. Alors, à quoi bon maintenant la question? Restez toujours coincé derrière. Non, nous avons un partenariat privilégié avec les États-Unis. Chers amis, c'est un peu triste, mais il y a une peut-être moi, j'ai avec l'accord aussi de toute la famille HK Today, je pense qu'il est temps que nous puissions dire aux autorités congolaises que je respecte tous les membres du gouvernement, tous les docteurs qui sont là. S'il vous plaît, il est temps d'oublier les États-Unis dans votre programmation. Et je pense que j'encourage ici fortement le président de la République d'aller en Chine, c'est déjà annoncé le 26 juillet, le 26 juin, non, le 26 mai ou juin, dans quelques jours ici. Un moment, je vérifie. C'était annoncé pour quelle date? Ça doit être le 26 juin, si je ne me trompe pas. Ça doit être en juin. Natala Lissoussou, calendrier Nanga, puisque Natchape ba rappel, Natchape ba rappel, pour que toi et la Bino, ba information en Inde. Alors, cette descente vers la Chine, moi, je suis d'accord. Je pense que c'est votre avis aussi, que on oublie pour l'instant. On peut garder pour des raisons peut-être stratégiques, mais on tourne, nous voulons un partenariat sérieux avec la Chine. Les présidents devraient arriver quand? Les présidents devraient arriver quel jour? Le 26, ça doit être entre le 26 juin ou le 26 mai. Je dois vérifier ici. Le 26 mai. Oh, yo, yo, dans les mois autour ça. Le 26 mai. Donc, moi, j'encourage que, dans ma discussion, dans les États-Unis, que tu n'es pas avec nous. Tous en a quand même sincère. Tous en a tout. Bon, du macapé que, tout, sabino que vous n'êtes pas avec nous. Vous allez en m'opanzer. Si on a l'ingé qui n'a l'axabino, mais ça, là, les États-Unis, à tout ça, là, dans Rwanda. Est-ce que nous avons un temps? Puisque Ming Basalaga, les documents comme ça, vous n'êtes pas convaincus. Mais il faut en accepter nos scores de manière concrète. Parce que Bissot, tout ça, n'a pas preuve. Mais, bon, nous avons déjà dépassé 1h09. Je souhaite m'arrêter par ici. Une chose est vraie, ces pays, les États-Unis, ne nous aiment pas. Noir sur blanc, les États-Unis appuient le Rwanda. Nous avons raison pour l'instant que, vu ça, Tomonique, avec
votre appui à l'armée rwandaise, qui devient de plus en plus fort à l'est du pays, derrière les M23, nous voulons combattre ces M23, comme vous ne voulez pas que tout le temps, c'est M23 tellement qu'il est fort avec des armes. Il y a armée rwandaise, il y a armée américaine. Alors, nous avons souhaité nous ressourcer quelque part. C'est bon. Monsieur le Président, vous êtes les bienvenus en Chine. Ben, en Chine, tout, il y a la diaspora congolaise vivant en Chine. Apprêtez-vous pour recevoir le président de la République. Mission Ezami Balé. Mission coopération sécuritaire sur le plan sécuritaire et sur le plan minier. Né l'occasion de déplacer le président de la République. Côté russe, Massolo les a déjà posé carré. Tovani sa Massolo côté naba chinois. Point barre. Soki tozeli to landa États-Unis pongi ya ba bébé to sala les soit 10 ans Félix Tshisekedi à longueur na pouvoir RDC to sala ka marche sur place. Je vous aime bien et je vous souhaite une très 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 bonne soirée. Qu'est-ce que vous dites là? Vous avez dit beaucoup de choses. Ezo mona nango to lingami te na to balingi bisote ce gens-là bazana kanda depuis que balongola TFM Tek Funguru me mining. Ba longola on a maboko. Joseph Kabila longola on a maboko ya ba américain. Apesa na ba chinois. Bitumba na biso kanda ya ba américain. Et banda plaçoan. Tout ce qu'ils font là, c'est semblant pour dire, Tosunga quand même, c'est un pays Tosunga. Mais, bazana ise mona bisote. Nous devons renforcer maintenant notre collaboration avec la Chine. Même ce que bazo kosa biso, cette fois-ci, tout ça là ba partenariat, y a bien. Oh, ba professeur, ba signa. Les docteurs, vous qui m'entendez. Vous avez signé un partenariat avec la Chine en 2008. Apport du siècle au Izalaka. Minerai contre infrastructure. Les professeurs ont signé ça. Chine venait, vous nous donnez des infrastructures. Oh, yo toyebi que 1 kilomètre déjà peut-être na $1 million, yanzela. Contre les minerais, donc prenez ces montagnes ici. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dans ces montagnes-là. Ce sont des professeurs qui ont fait ça. Et on leur donne 40 montagnes de cobalt, de cuivre. Et quand ils vont là-bas, ce que bakuti uranium, ils ont bango puisque dans l'accord, ils ont cobalt na comment dirais-je, bah professeur, les docteurs. Et c'est ça l'accord. Binobo sur la montagne exploitée coltan na cobalt. Non, pas coltan. Cuivre, na cobalt, la bisonzela. Vous avez évalué tout ce qu'il y a dans cette montagne-là. Et aujourd'hui, vous les docteurs, est-ce que beaucoup de la bisonzela, pont où on est, chinois, ça là, il y a 32 km, pont, 32 km. Batonga, bah, immeuble, il y a, bah, gratte-ciel. Est-ce que vous pouvez me citer minerai contre infrastructure? Souvenir, bosan, en vous, les docteurs. Vous êtes maudits tous. Que Dieu vous pardonne pour les malheurs que vous comptez. Vous continuez toujours à amener à la RDC Tolobaté, puisque vous mangez chez les docteurs. Chers amis, je m'arrête par ici pour aujourd'hui. Et je vous retrouve demain pour un nouveau numéro. Et je vous demande de bien prendre soin de vous. Et travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est une vie. Alors, je vous retrouve demain. Demain, c'est le jeudi. Pour un numéro, avant-dernier numéro. Et voilà. Si vous avez des commentaires, commentez. Tous les amis de la famille HK Today, réactivez votre membership. Je remercie ici Florent Foka. J'ai vu, il l'a fait. Imaginez-vous Florent Foka, Balongola qui est na YouTube, na ma casque. Donc, il est là, il a réactivé. Bozong est là. Tous les. Batunabiso, on a bête la ratole que Oyo. Atamboula, Atamoyi, Aza, HK Today. Alors, merci beaucoup. Good night. Merci. Bonne soirée. Et à demain pour les nouveaux numéros. Que mon Dieu vous bénisse. Au revoir chez vous et bonne soirée. UEBS Cacao est un cacao en poudre de première qualité, mêlant l'utile à l'agréable, originaire d'Afrique. Les bio-cacao possèdent des propriétés médicinales et aphrodisiaques naturelles et puissantes. Un autre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel, d'aucun colorant ou de conservateur. Avec de l'eau chaude, de l'eau tiède ou du lait, profitez d'un tendre goût des cacaos.
Avec BioHebs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'usage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté à un complément alimentaire, sain, propre, bio, sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire, et qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai. Bien fait et pour le cœur et la morale, lutte contre l'hypertension et le diabète. En tant que médecin, je vous conseille d'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gemsociety1@gmail.com. Nous sommes en Europe, aux États-Unis, au Canada. Nous sommes aussi en France et en hors des Congos. Après le lancement de la Cité Kimia, la société Codiacimo présente le Square VIP Kimia. Parce que nous croyons que désormais tout Congolais doit posséder une parcelle en République démocratique du Congo, Codiacimo facilite l'accès à l'achat de votre terrain en toute sérénité et surtout en toute sécurité. Dans le Square VIP Kimia, à partir de 5 000 $, financez votre terrain, puis sa clôture, et notre équipe s'occupe de sa mise en valeur ainsi que de toutes les démarches administratives jusqu'à l'obtention de votre titre de propriété. De plus, vous avez la possibilité de construire votre maison seule ou de nous confier votre projet immobilier. Désormais, que vous soyez du Congo ou de sa diaspora, avec Codiacimo, vous êtes à la meilleure adresse pour construire la vôtre. MBL, assistance immobilier à Kinshasa. Nous sommes sur avenue Kasavubu numéro 145 dans la commune de Ngiringiri, référence rond-point Molard en face de HJ Fondation.
Lo oyendo.